boucher les trous, façonner chaque mètre carré de piste avec une extrême précision dans les conditions les plus extrêmes, seule une dameuse et un pilote aguerri en sont capables. Une dameuse se décompose en trois parties. À l'avant, une lame de bulage permet de niveler le terrain, couper les bosses et remblayer en neige les parties les moins bien garnies. Au centre, les chenilles. Elles sont reliées entre elles par des bandes souples en caoutchouc qui lui permettent d'épouser au mieux le relief. Sur chaque barrette, de minuscules pointes en carbure de tungstène sur le même principe que les pneus cloutés. Sur la partie arrière, la fraise. C'est l'organe le plus important d'une dameuse. C'est elle qui régénère la neige et lui donne son rendu final. En fonction de la dureté de la neige, le pilote gère la pression au sol via des vérins hydrauliques, ce qui permet d'aérer plus ou moins les parties les plus gelées. En bout de chaîne, on retrouve le tablier qui donne l'aspect strié que les skieurs retrouveront le lendemain à l'ouverture des pistes. Ce modèle fabriqué par l'allemand Kassbauer est une merveille de technologie moderne. 9 mètres de long, 11 tonnes et une poussée titanesque. Cette abominable machine des neiges est animée par un 6 cylindres diesel d'origine Mercedes. Ce bloc de 500 chevaux dégorge un couple gigantesque de 2200 Nm. Il permet à cette dameuse de grimper de véritables murs, jusqu'à 50 degrés d'inclinaison.